Bonjour à tous. Combien ils sont sur le chat? 50. 50. Bon ben, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. On redémarre sur le terrain. Alors, le terrain, on va avoir plusieurs séquences cet après-midi. Avec moi, on va regarder le profil. Donc, première chose, on l'a vu tout à l'heure, pour prendre les bonnes décisions, c'est faire un bon diagnostic. Où est-ce qu'on en est sur le sol? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voilà, un historique de maraîchage sur sol vivant avec des apports massifs. On va voir ce que ça peut induire sur un profil de sol. Ensuite, on aura Arthur qui va faire un tour du jardin, qui va aussi explorer un couvert végétal et son influence sur le sol. Et on va pouvoir se poser des questions sur les stratégies de transition en première année. Et puis, on terminera avec François où on pourra commencer à. Voilà, vous pourrez poser toutes vos questions aussi sur les itinéraires techniques. Et puis, on travaillera autour des itinéraires techniques en sol vivant. Alors on démarre. Donc pour cet atelier, on va explorer le sol. Donc ici, vous avez une coupe de sol, ce que je conseille de faire un peu à tous ceux qui souhaiteraient mieux connaître leur sol. Donc voilà, on va partir sur 2 mètres de large, on descend à au moins 1 mètre de profond, et puis on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on a différentes couches, des variations de couleurs? Est-ce que on a finalement un ensemble de caractéristiques qui vont nous indiquer si le sol est très fertile, moyennement fertile, est-ce qu'il, voilà, où en sont les interactions? Et puis on fera des tests chimiques aussi pour voir si on a du calcaire, si on a de la matière organique labile. Et tout ça nous permettra de faire une interprétation un peu structurée. Ce qui est important en tout cas en guise d'introduction, c'est de comprendre qu'un sol qui fonctionne bien, c'est un sol où on n'a pas de rupture de communication entre la surface et la profondeur. Donc la valorisation de votre potentiel sol, c'est votre capacité à avoir une bonne connexion entre la surface et la profondeur. Si vous avez des ruptures, des semelles, des problématiques, je sais pas, d'hydromorphie, des horizons extrêmement argileux, très compacts, vous allez avoir des phénomènes de rupture et donc vous allez avoir un potentiel sol qui peut être finalement grévé. Donc on va déjà commencer à voir comment ça se passe sur cette connectique et si on a des indices de connectique, des racines, des galeries de vers de terre qui pourraient nous indiquer qu'on a des bons flux. Ensuite, on va regarder également l'activité biologique, la structure du sol, hein, donc on fera des évaluations rapides, et puis on qualifiera ce sol pour regarder sa fertilité globale. Hein. Et donc moi, ce que j'aime bien, alors c'est une erreur, on va dire, c'est juste un outil pour pouvoir penser la chimie, la biologie, la physique du sol, de séparer ces trois types de fertilité. Par contre, le faire à un instant T permet de qualifier le milieu sol et de pouvoir un peu lui donner, voilà, est-ce qu'on exploite à fond le potentiel, est-ce qu'on a déplafonné aussi le potentiel. Parce que l'idée du MSV, c'est de se dire, je pars sur un milieu sol qui est X, et par mes pratiques, je vais pouvoir l'améliorer. Et dans quelle mesure on peut améliorer un sol de démarrage? Donc, je pense qu'on va pouvoir explorer tout ça. Donc, première chose déjà, on va regarder si on a des variations dans ce sol en termes de couleur, en termes d'horizon. Moi, je pars toujours du fond du profil. Et donc, dans le fond du profil, on va regarder ce qu'on appelle les horizons pédologiques, c'est-à-dire les horizons qui n'ont jamais été touchés par l'homme. Donc, si on part du fond, hein, et qu'on remonte. Alors là, on a le soleil qui vient induire en erreur, quoique le soleil il s'est mis pile à la frontière entre deux horizons. Donc vous avez ici un horizon ici qui est ocre, hein, donc un horizon ocre comme ça avec des couleurs de ce type-là, ça signifie que globalement on a une dynamique du fer qui est plutôt correct, on est sur un sol très sableux et donc des couleurs comme ça. Et puis quand vous sentez c'est sain, ça veut dire qu'il y a une bonne oxygénation jusqu'en fond de profil, on est jusqu'à 1 mètre. Donc déjà c'est sympa, c'est-à-dire que ce premier horizon pédologique hein, qui part des 1 mètre en fond de profil et qui remonte jusqu'à 50 cm, hein, voilà, donc c'est plutôt un sol sain. C'est un sol, quand on regarde sa texture, donc quand vous voulez regarder la texture d'un sol, vous allez frotter le sol entre vos doigts. Si ça gratte, c'est qu'on a beaucoup de sable. Si c'est plutôt doux, c'est du limon. Et si ça vient coller, vous avez la capacité à avoir vos empreintes digitales dedans, grosso modo, ça va être plutôt argileux. Donc ici, si on regarde la texture de cet horizon pédologique, on est sur un horizon pédologique franchement sableux. Voilà. Donc horizon très sableux, avec une structure qui en fait est tout à fait ouverte, hein. Il y a très peu de résistance, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un bon drainage, on a une bonne capacité d'enracinement, on ne va pas avoir de blocage. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, on va rester sur cet horizon, c'est qu'on voit ici, c'est possible peut-être la caméra de regarder là, vous avez des galeries de vers de terre qui sont noires. Elles sont noires comme l'horizon du dessus, ici.
Donc ça veut dire quoi? Bon, déjà, on parlait de connexion entre la surface et la profondeur. Je me retrouve avec des galeries de vers de terre ici à 70-80 cm, noires. On en a une ici, on en a là, on en a là, on en a ici, ici. Si on commence à ouvrir le sol, je suis sûr qu'on en verra d'autres. Vous voyez ici, on a toujours des parties plus sombres, hein. Donc les cultures, ce sont pas les cultures maraîchères, ce n'est pas des cultures qui vont s'enraciner extrêmement profondément, même si elles peuvent aller très profond. Et globalement, ici, ça va être le travail des lombrics, le travail aussi de racines qui se sont mises en décomposition. Voilà, donc là, vous en avez une de racines. Je vais me déplacer lentement, ici aussi. Donc on a des racines qui, en se décomposant, en étant consommées, vont aussi provoquer ce type de phénomène. Donc on a des galeries de lombrics, des racines en décomposition qui de toute façon viennent depuis la surface, puisque les galeries de lombrics qu'on va trouver ici, ce sont des anésiques qui font des allers-retours dans le sol et donc qui sont, on va dire, le symptôme d'un sol qui fonctionne déjà plutôt bien, hein. On a pas mal de galeries, c'est-à-dire que si je commence à regarder la fréquence des galeries, tous les 5 cm, je me retrouve avec une galerie d'anésiques, hein. Donc, bon. Premier paramètre, activité biologique, activité lombrique, excellente. Surtout des vers de terre anésiques qu'on va souhaiter avoir en nombre, hein, puisque le vers de terre anésique, c'est bien celui qui monte à la surface, prend de la matière organique, l'enfouit, remonte, fait des turricules. Donc c'est lui qui aussi va cycler cette fertilité et va permettre une accélération de la décomposition, voilà, de ce type de matériaux, hein, puisque le vers de terre va être capable de pouvoir les consommer. Donc, étude de cet horizon-là, on est sur un horizon sableux, avec une porosité élevée, avec des galeries marbrées de galeries de vers de terre et puis d'anciennes, finalement, galeries de racines où la racine s'est décomposée. Cela a une intensité, une fréquence vraiment élevée. Globalement, on est sur un horizon qui est extrêmement bon. Après, si on parle de réserve utile dans ce type d'horizon-là, elle ne va pas forcément être hyper élevée. Puisque c'est une base sableuse, mais le fait d'avoir marbré le profil avec ces galeries, dans les galeries de vers de terre, dans les anciennes galeries de racines, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver un taux de matière organique supérieur, une activité microbienne supérieure. Donc en fait, ça vient apporter quand même une meilleure finalement capacité de stockage en eau, vu qu'ici on en a quand même une fréquence extrêmement importante. Après, on va remonter à un horizon, là, voilà, donc qui va jusqu'à grosso modo 40 cm. Donc, est-ce que c'était, moi j'ai pas forcément l'historique, hein, mais est-ce que ça a été anciennement travaillé ou pas? Est-ce que c'était en prairie? C'était travaillé profond à une époque? Bon, ben alors ça veut dire qu'on est ici sur, on va dire, l'héritage de ce type de pratique. Donc, bon, ben, c'est logique d'avoir cet horizon-là qui se retrouve autour de 40, hein, 35-40. Donc, c'est l'ancien horizon travaillé. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cet horizon travaillé? Un peu des mêmes symptômes. C'est-à-dire que déjà, on va regarder la texture, pareil, une texture très sableuse, très ouverte, qui fait beaucoup de terre fine, très peu de mottes. Et puis on se retrouve ici, je sais pas, on peut voir si c'est possible de filmer là. Voilà, donc ici on a pareil des chemins extrêmement noirs, extrêmement humifères. Et puis on en retrouve de façon assez fréquente. Donc un horizon voilà, assez ouvert, qui est très facile pour l'enracinement. On voit qu'on a ici des fourmis. Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait dire on est tombé sur une fourmilière, sauf que j'en ai trouvé partout. Alors, est-ce que ça a été finalement un coup de chance ou pas? Mais en tous les cas, on a des fourmis partout. Et puis, quand on remonte au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'horizon est de plus en plus noir. Je ne sais pas si vous remarquez ici, c'est de plus en plus marbré. Donc là, on se retrouve à peu près à une dizaine de centimètres. Est-ce que tu as enfoui la matière organique ou pas? Tu n'as jamais enfoui la matière, donc ça veut dire que grosso modo, il y a eu un enfouissement effectif, hein, sur ces 10 cm de sol par la faune. Et donc quand on vient ressortir ici des mottes, vous voyez, c'est marbré, hein, c'est le papy brossard là. Donc on a un bon enfouissement des matières organiques, et puis en surface, c'est extrêmement riche, extrêmement noir, extrêmement humifère sur les 5 premiers centimètres. Voilà. Donc, voilà. Et vous voyez, ces 5 premiers centimètres, ils sont extrêmement grumeleux. C'est que de la terre fine, noire, très humifère. Et donc, dans les apports de matière, tu as fait combien finalement? Tu avais dit que ton premier apport, c'était 20 cm de broyat. Et ensuite, 5 cm, 10 cm? Entre 5 et 10, quasiment tous les ans finalement. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il faut à peu près, grosso modo,
400 tonnes de BRF brut va fabriquer autour de 2 à 3% de matière organique. 10 cm de BRF, ça fait à peu près ces 400 tonnes. Donc 20 cm, hein, ou même jusqu'à 30, tu vas monter jusqu'à 700-800 tonnes de BRF brut. Donc virtuellement, c'est comme si tu avais voulu augmenter ton taux de matière organique sur 30 cm de quasiment 4 à 5%. Voilà. Donc c'est normal d'avoir cet horizon aussi noir et d'avoir des échanges extrêmement importants et d'avoir des indications d'une activité biologique extrêmement forte. Voilà. Alors, maintenant, on va casser un peu le sol pour voir si on trouve des copains. Voilà, donc ici, je prends un morceau au hasard. Je commence à voir des lombrics, donc qui sont extrêmement massés ici. Donc ici, vous avez un ver de terre endogé. Il n'est pas pigmenté parce qu'il sort jamais à la lumière du jour. Voilà, on voit son tractus digestif. C'est un adulte puisqu'il a ici l'anneau. Hein, donc un ver de terre adulte a un anneau puisque c'est son organe reproducteur. Et donc on voit que voilà, on en a un ici. Et puis on peut commencer à explorer pour voir si on en voit plus. Voilà, hop. Voilà, donc on en revoit un là. Voilà, encore un endogé. Et donc il vient de se masser dans cet horizon extrêmement humifère. Ouais, vous en avez un ici, pareil. Bon, je l'ai fait tomber. Donc globalement, on a une activité biologique qui est extrêmement élevée. Voilà, on en a encore là. On va vouloir viser grosso modo ces fameuses 1 tonne à 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Moi, je garde un truc en tête, c'est que si vous mettez un coup de bêche dans votre sol, et on le verra tout à l'heure le test bêche, et que vous sortez autour d'une dizaine de vers de terre, vous les avez à peu près vos 2 tonnes. Voilà, pour faire simple. Et ici, bon, je n'ai pas forcément fait de comptage, mais quand j'ai rafraîchi le profil et que j'ai regardé un peu ce qui se passait, les 10 vers de terre sur un coup de bêcher, on les a. Donc on est à ce seuil dont parlait François, hein, autour de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare, qui est un seuil que je considère minimal pour commencer à avoir un cyclage des matières organiques qui nous apporte pas mal de services. En termes de structure de sol, c'est parfait, partout, hein, mais on est sur un sol léger, on a pas mal de cailloux. Bon, et ces cailloux, finalement, ils sont presque intéressants parce qu'ils permettent d'avoir un sol qui se réchauffe plus. Donc dans un sol comme ça, très sableux, avec pas mal de cailloux, on va avoir une tendance à se réchauffer plus vite. Donc la minéralisation, hein, qui va être importante justement pour recycler toute cette matière organique, va être beaucoup plus active dans ce type de sol-là que si par exemple vous avez un sol extrêmement argileux, ou un sol hydromorphe, ou un sol qui va infiltrer l'eau lentement, donc ce qui est le cas des sols argileux. Ou si vous aviez par exemple un horizon ici qui serait plus argileux. Donc grosso modo, on est sur un sol pour faire du maraîchage qui est quand même un sol assez idéal. Alors bon, il paraît que le trou n'est pas forcément dans l'endroit le plus représentatif du jardin, mais en tous les cas, ce type de structure-là est excellente. Par contre, on va avoir aussi en termes d'irrigation peut-être des choses qui peuvent être assez variables. C'est-à-dire qu'on va plutôt augmenter la fréquence que voilà, d'arroser un bon coup et puis d'espacer les arrosages. On a vu que l'irrigation était importante, d'avoir toujours un front d'humectation qui soit là pour pouvoir avoir une minéralisation constante. D'autant plus que tu as énormément de matière organique, c'est-à-dire que là, tu as stocké énormément, donc il faut valoriser. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe maintenant au niveau du calcaire. Donc vous avez des tests simples à faire chez vous. Ça, vous pouvez l'acheter en supermarché. Donc de l'acide chlorhydrique, ça vaut 2,50 € et l'eau oxygénée, pareil. Donc, acide chlorhydrique, ça nous permet globalement de voir dans quelle mesure on a du calcaire actif dans le sol. Et donc si on a du calcaire actif, l'acide va casser les molécules de CaCO3 et ça va faire une réaction chimique qui va provoquer des bulles visibles à l'œil nu. Donc ça c'est l'horizon profond en dessous de 50 cm. Voilà, donc ça se voit peu, on a une réaction, on a des bulles, voilà, on les entend. Mais ce n'est pas forcément hyper visible. Donc là, on est sur. Moi, en fait, on peut quasiment faire du conseil de chaulage, hein, avec ce type de méthode, même si elle est simple. Là, typiquement, on est en situation de chaulage d'entretien, c'est-à-dire qu'on a du calcaire actif, on en a assez. Par contre, voilà, du chaulage d'entretien, c'est d'apporter autour de 500 unités de CaO tous les 4-5 ans. Ceci dit, et ça c'est très important, le bois, si vous en apportez, sa dose en calcium. Donc quand on apporte énormément de bois, on apporte du calcium, donc on fait l'amendement calcique, et il n'y a pas forcément besoin de se poser trop de questions, et on verra si ça se vérifie, c'est-à-dire que normalement, si je remonte, ça devrait buller plus, si j'ai plus de base et plus de calcium. Ah, vous voyez, déjà là. Et puis, on voit aussi qu'on a des... On a des,
des roches. Hein. Donc on est sur, de toute façon, sans doute un terroir à roche calcaire. Et si on fait ici, c'est pareil, ça bulle énormément. Vous voyez? Ça gonfle, ça bulle. Donc, ces réactions-là montrent qu'on est dans un sol plutôt calcaire. Et ces types de réactions, c'est qu'on commence à avoir pas mal de calcaire actif. Hein, on va être autour de 4, 5, 6%. Donc, je ne sais pas, tu connais le pH de ton sol, grosso modo? 7-8. Donc, on est dans un sol calcaire qui peut avoir une tendance à être, on appelle ça des sols bloquants. Maintenant, si on a beaucoup d'activité biologique, de la chaleur, de l'humidité, ça a tendance à travailler convenablement ceci. Après, on prend l'eau oxygénée pour voir si on a du carbone labile. Parce qu'on pourrait très bien dire, tiens, il y a trop d'humus, donc l'humus n'est pas actif, il est mort. Bon, si ça bulle beaucoup à l'eau oxygénée, c'est quand même, on a une forte activité biologique et du carbone labile. Donc, on va commencer par le bas. On va voir ce que ça fait sur les trois. Voilà. Voilà. Donc on voit ici, là, dans l'horizon de surface, ça se liquéfie. Hein. Donc on a une activité extrême. Vous voyez, ça se liquéfie, ça se transforme quasiment en eau. Hein. Donc on a une activité, on ne peut pas dire que cet humus est inactif. Si vous faites de l'eau oxygénée sur du, je sais pas moi, de la tourbe, vous allez avoir des réactions assez faibles. Parce que là, pour le coup, la tourbe, c'est une matière organique bloquée, involuée, qui s'est accumulée. Ici, on voit que plus on descend, moins la réaction est active. Mais ça, c'est normal, puisqu'en fait, c'est lié à l'activité biologique, à tout ce carbone labile qu'on peut avoir. Moi, je dis souvent, il faut que ça fasse un peu comme une bouse de vache, vous voyez. Donc là, ça l'a fait, là, ça l'a fait. Là, ça le fait un peu moins, mais c'est normal, on est dans l'horizon profond. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc on a une activité quand même globale qui est très intéressante. Alors ce test à l'eau oxygénée, attention, hein, ce n'est pas un test ultra scientifique, carré, tout ce qu'on veut, mais ça donne une indication. Voilà. Et cette indication est intéressante. Si vous mettez de l'eau oxygénée et que ça fait cette réaction-là dans l'horizon de surface, vous allez avoir un problème. Et je vous garantis que ce type de réaction-là, dans des sols à 1,5% de matière organique assez matraquée, on a ça, quoi. C'est-à-dire que derrière, si vous ne supportez pas la pousse par les engrais, etc., ben vous allez avoir vraiment des problèmes. Donc c'est intéressant de voir ici. Et d'ailleurs, la réaction continue, là. Je ne sais pas si tu vois. Donc c'est assez intéressant. La réaction continue. Donc on a énormément d'activité. Hein. Donc voilà. Donc globalement, si on fait un peu une synthèse de ce qu'on vient d'observer, beaucoup d'activité biologique. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées parce qu'à la caméra, c'est compliqué. Il y a beaucoup de colamboles, on a des myriapodes qui se baladent. J'ai vu des diplopodes, vous savez, c'est ces sortes de crustacés terrestres qui s'enroulent sur eux-mêmes et qui mangent les morceaux de BRF, etc. Il y en a partout, c'est normal dès qu'on commence à mettre du bois. J'en ai trouvé tout à l'heure à 70 cm dans des galeries de vers de terre. Donc quand je vous dis qu'un sol qui marche bien a une connexion surface-profondeur effective, là on a cette connexion surface-profondeur qui est effective et qui est forte. Donc globalement, dans cet objectif de dire le MSV doit amener à un sol qui fonctionne bien, ben là on a tout ce qu'il faut pour dire que voilà, tu as une base de toute façon pour faire du maraîchage qui est excellente, un sol qui va se réchauffer, qui va drainer, qui ne va pas s'engorger, un sol qui va pouvoir permettre des processus de minéralisation qui sont corrects, même excellents. Et puis on voit que cet établissement de l'activité biologique est effectif, avec beaucoup de racines de vers de terre anessiques, avec des vers de terre qui marbrent ici cet horizon organique. Vous voyez, dès qu'on en sort, on trouve toujours des vers de terre partout, et donc qui est extrêmement grumeleux. Vous voyez, un vers de terre là, ici, ici, vous voyez là. Donc en fait, on a de l'activité biologique partout, cette activité biologique travaille pour nous. Et le fait d'avoir beaucoup de lombriques, ça permet de faire passer du carbone à l'azote assez rapidement. Ça permet également de créer cette macroporosité qui nous est utile pour oxygéner le sol et permettre des bons processus de minéralisation et de drainage. Donc globalement, moi, sur ce que je peux observer là, on est sur quelque chose d'extrêmement bon. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais en train de mettre en place le profil. Je fais, ah, ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais plus ce type de profil-là. Je vois ce type de profil-là souvent dans des sols en ACS matures. Voilà, on va chez les céréaliers, ça fait 10 ans qu'ils sont en ACS. On a ces colamboles à 70 cm, on a tout ce cyclage qui se fait. Chez toi, c'est le cas. Donc ça veut dire que ça y est, il y a un équilibre organobiologique qui s'est bien créé. On a de la faune qui est active, qui marche. Et qui est apte à dégrader facilement les couverts. En combien de temps, quand tu mets tes 5 cm, c'est dégradé? Dans l'année, c'est bouffé. Bon. Donc tu as quand même un sol qui a une capacité de digestion qui est extrêmement importante, qui va te manger 150 à 200 tonnes de BRF par an. Donc
C'est pas le sol, hein. Enfin, c'est marrant, des fois je fais des formations et quand je demande à certains participants comment ça se dégrade la matière organique, on a l'impression que c'est comme un aspégique. Je le mets sur le sol, puis ça fond. Et c'est un peu magique, alors qu'en fait non, c'est la microbiose, c'est les lombrics. Donc si ça arrive à digérer cette quantité-là, c'est que tu as le monde qui permet de le faire. Donc on verra après ce que ça implique, hein, dans l'observation qu'on fera avec Arthur et puis en termes d'ITK. Mais globalement, on est sur quelque chose qui est extrêmement favorable. Et qui va, enfin, en tous les cas, voilà, on est sur quelque chose qui est nickel, hein, en termes de pour partir sur du MSV. Et ici, sur un sol comme ça, quand tu mets rien, ça pousse. Si tu commences à compléter ne serait-ce que 30-40 unités sur certaines cultures, tu vas avoir un résultat extraordinaire. Ou là, sur des sols à 2% de matière organique, il te faudrait le double ou le triple pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc, ça, c'est important. C'est que dans des sols en MSV, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un milieu qui permet ce degré d'autofertilité. C'est-à-dire que de façon, entre guillemets, extensive, le légume, il pousse, il fait son boulot, c'est commercialisable, et puis plus le milieu est fertile, moins on va avoir de variabilité aussi de rendement. Mais après, c'est ce qu'on discutait aussi, c'est-à-dire que si demain, on veut faire du... On sait que, par exemple, dans le maraîchage à destination des grandes surfaces, il faut une qualité, des calibres, des choses extrêmement régulières. On pourrait dire, bah tiens, on n'a pas des choses régulières ici, mais il suffit de compléter un peu pour lisser le résultat technique. Il n'y aurait pas grand-chose à faire pour avoir des excellents résultats au final. Hein. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où ces pratiques-là, pour moi, sont adaptées à quasiment tous les types de maraîchage, en sachant que toi, tu as la chance d'avoir du sourcing de matière organique assez facile. Pour ceux pour qui ça serait plus difficile, ça devient une priorité, quoi. C'est-à-dire, ce qui permet de faire ça, c'est les apports que tu as pu faire. Et finalement, au démarrage, tu avais quand même pas mal de lombrics. Voilà, tu avais 2,8% de matière organique, tu avais du lombric, ça circulait. Donc globalement, on était dans un milieu qui était plutôt bon. Donc la capacité de digestion n'était pas forcément empêchée. Donc tu as pu rentrer on va dire, dans la construction de ton statut organique du sol de façon assez simple et rapide. Et ce qui est important, c'est que si on est dans des situations qui sont différentes, notamment des situations extrêmement dégradées, ou des typologies de sol avec de l'hydromorphie, avec voilà, des choses problématiques, voilà, il va falloir s'adapter. Et puis bon, on entendra François sur ces questions. Alors, un profil cultural, c'est la seule méthode qui va vous permettre de pouvoir explorer le sol dans ce qu'il est, c'est-à-dire un volume. Il faut le faire au moins 2 mètres de large. En fait, la question, c'est par exemple ici, j'ai représenté, on a deux planches là. Bah, on peut regarder ce qui se passe sur les deux planches, sur les chemins. Je n'ai pas forcément fait l'étude ici, mais on voit que sur les chemins, c'est plus compacté que sur la planche, hein, grosso modo. Donc en fait, ce que vous allez regarder avec un profil, c'est essayer de capter, selon votre système de production, les variabilités que vous pouvez avoir. Donc là, dans un système maraîcher, bon, ben, on a une largeur, on a deux planches, on a trois chemins, bon, on commence à pouvoir regarder un certain nombre de choses. Dans un système céréalier, ben, on va essayer de faire au moins une largeur de semoir. Pour commencer à voir ce qui se passe. Hein. Donc grosso modo, ça va être entre 2 et 3 mètres de large. La profondeur, 1 mètre, 1 mètre 20. Ça ne sert à rien d'aller gratouiller à 80 cm. On peut le faire quasi avec une bêche. Enfin, faut creuser beaucoup, mais voilà. Donc là, on descend à 1 mètre, 1 mètre 20. Et puis après, bah, le protocole est simple. Hein. De toute façon, vous le trouvez sur... Il y a un site qui s'appelle profilcultural.fr. Et donc, vous avez l'exploration d'abord ici des horizons pédologiques. Donc ici, par exemple, il n'y en a qu'un. Hein. Enfin, moi, j'en ai décelé qu'un. Ensuite, là, on a des horizons dits anthropiques qui ont déjà été touchés par l'homme. On les regarde. Donc le protocole, c'est je regarde déjà les partitions qui sont verticales. Et après, je peux regarder les partitions horizontales. Ici, globalement, les choses se valent. Donc je n'ai pas commencé à faire des partitions horizontales de façon très importante. Mais par exemple, dans un profil en grande culture, vous allez, après une récolte de maïs, par exemple, qui s'est fait dans de mauvaises conditions, vous revenez le printemps suivant, vous faites le profil. Vous trouvez l'héritage des passages de moissonneuse. C'est des choses qui se décèlent. Et donc, ça permet de faire un peu un diagnostic. Voilà. Donc, en gros, voilà à peu près le protocole. Les périodes, y a pas forcément, il faut être, faut pas avoir de l'eau dans les baskets toute la journée. Donc, si vous faites un profil de sol, j'en sais rien, moi, en décembre, quand il fait froid et quand il y a de l'eau partout et que l'activité biologique est au point mort. C'est pas la meilleure des périodes. Donc, les périodes qu'on va rechercher, c'est plutôt des périodes où on a de l'activité biologique pour l'observer et des périodes où on peut faire le profil tranquillement. Donc, c'est l'automne, les périodes comme celle-ci, ou alors le printemps. Voilà, tout simplement. Le potentiel de minéralisation d'un sol, c'est lié à la pluviométrie, à la température, à votre typologie de sol. Donc,
plus un sol est léger, oxygéné, dans un climat chaud et avec de l'eau, plus vous allez minéraliser. Plus votre sol va être argileux, calcaire, dans un milieu froid et engorgé en eau, plus votre minéralisation va ralentir. Et en fait, le processus de minéralisation, c'est un processus dynamique qui est lié à l'activité biologique. C'est-à-dire que si votre activité biologique ne fonctionne pas, votre minéralisation ne se fera pas. Ce n'est pas un processus mécanique, ce n'est pas un processus physique, c'est un processus biologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la typologie même aussi, c'est-à-dire les communautés de micro-organismes et la quantité de lombriques que vous allez avoir dans le sol va aussi accélérer ce processus de minéralisation. Donc vous avez ce fameux coefficient K2 qui peut être calculé par rapport à votre pédoclimat et vous avez des ABAC sur Internet. Et puis vous avez la nuance que vous allez devoir apporter dans la connaissance de votre sol et l'activité biologique. C'est-à-dire que si vous avez un sol avec 500 kg de lombriques ou un sol avec 2,5 tonnes de lombriques, la cinétique de minéralisation ne va rien avoir à voir. Si vous êtes dans un milieu où vous arrosez en été ou alors vous arrosez pas en été, la minéralisation va avoir rien à voir aussi. Puisque grosso modo, avec les étés qu'on a, si j'arrose tout l'été, je vais énormément minéraliser. Donc on voit que les deux variables, les trois variables qui font justement bouger ce coefficient K2 de minéralisation, c'est la pluviométrie, la température et l'activité biologique. Si je prends par exemple un produit qu'on a présenté tout à l'heure, qui est le Nutrilis de chez Biovitis, on peut avoir une minéralisation accrue parce qu'on a une quantité de micro-organismes et des typologies de micro-organismes différentes qui vont faire bouger aussi le curseur. Donc l'ajout de micro-organismes, donc des probiotiques ou même des prébiotiques qui vont favoriser une certaine flore, vont pouvoir permettre aussi d'accélérer ce coefficient. C'est pour ça que dans les stratégies de rétablissement de la fertilité des sols, par exemple, je sais pas, je prends un sol à 1% de matière organique, la meilleure chose à faire, c'est de faire un gros couvert d'automne qui va faire 6, 7, 8 tonnes de matière sèche en sortie. Je peux lui adjoindre des prébiotiques, donc un ensemble d'oligo-éléments, mais aussi des probiotiques. Le trichoderma, on en a parlé, c'est d'ailleurs Lucien Segui en parle du trichoderma, c'est des choses qu'il a pu utiliser justement pour rétablir des sols, parce que ce sont des champignons du sol qui vont pouvoir travailler justement sur l'accélération de la minéralisation, la mobilisation du phosphore, du potassium, etc. Et donc on a un milieu qui va pouvoir très vite se rétablir. Voilà. Il y a le chien qui vient là. Donc voilà, donc on a cette notion là qui est extrêmement importante. Ne vous fiez pas simplement aux ABAC de K2 que vous pouvez trouver sur Internet. Ce sont des ABAC qui ne prennent pas la variable biologique en compte. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça vous donne une base de réflexion. Mais derrière, il va falloir mettre la variable biologique en route voilà, pour pouvoir avoir la bonne dynamique. J'espère que c'était clair. Voilà. J'ai une question. Ouais. Sébastien, est-ce que tu as déjà fait des profils similaires en sol très argileux, ouais, où des quantités aussi importantes de matière organique ont été apposées en surface, ouais, sans mélange. Ouais. Est-ce que tu as observé des choses qui pourraient intéresser éventuellement les gens qui, ouais, nous écoutent? Alors, ta question est très, très importante parce que ça va dépendre de où en est le sol. C'est-à-dire que tu peux avoir un sol très argileux, mais à 3,5% de matière organique au démarrage, où tu vas commencer à avoir ce cycle qui se fait. Et j'ai vu des sols complètement détériorés où on a fait ça, et ça a été la même photo qu'a montré François ce matin. C'est-à-dire que tu as un horizon humifère extrêmement important et dessous, c'est clair. C'est-à-dire qu'en gros, le mélange a du mal à se faire. Et ça, c'est lié à la quantité de lombriques qu'on va avoir au démarrage, en fait. Moi, je pense que c'est la vraie variable, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que j'ai du lombrique au démarrage ou pas? Et après, tu as des sols plus ou moins compliqués à bosser. Hein. Les sols très argileux, en fait, il y a des sols qui peuvent être assez instables et qui peuvent se retasser. Sous serre, ça arrive très peu. Parce qu'en fait, je gère ma pluvio, hein, en gros. Mais un des premiers facteurs de dégradation de la structure du sol, c'est l'excès de pluie, quoi. Et certains sols ont une tendance à la recompaction. Et moi, je dirais, il faut observer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher. Et ça peut être très rare. Hein, ça peut être vraiment, c'est comme un médoc. Hein, mais des fois, passer un coutre permet de remettre en route l'oxygénation du sol sans forcément empêcher les lombriques. Mais ça, c'est de l'observation in situ. Et c'est là où, en fait, le mélange dans des sols qui sont dégradés, pour moi, c'est quasi indispensable, en fait. Je peux confirmer, voilà, que sur des sols très, très argileux, avec des argiles extrêmement collantes, ils sont repartis en compaction, parce qu'on a fait des arrêts brutaux de travail du sol sans faire les apports. On a exactement le même mécanisme que j'expliquais ce matin. Les deux premières années, ça merdouille, parce que les lombriques sont pas revenus, et dès qu'ils sont revenus, tout se remet à pousser. Et ce qui est assez drôle, c'est que les déjections de vers de terre qu'on peut avoir ici sur des sols sableux
qui vont fondre quand il y a. Si, ça, c'est quand même très sableux, donc ça va fondre sous la pluie. Quand c'est très très riche en argile, ça ne fond pas. Et donc ça te fait des couches de déjection de vers de terre, comme ça, de petites billes, et ça s'accumule au fil des années. Et après, ça finit par former un très gros horizon. Mais c'est des sols qui ont un énorme potentiel quand tu fais des intrants massifs sur des sols très argileux et que tu arrives à retrouver tes vers de terre en termes de potentiel production, c'est juste génial. Et le secret, c'est que les deux premières années, il faut irriguer pour que les plantes puissent s'enraciner, descendre. Et la recompensation. Voilà. Mais en fait, ça pose pas de problème. Et même aujourd'hui, tu vois, des limons qui ont des tendances à l'hydromorphie, à bleuir, etc. Ben, je me rends compte que si l'été, tu continues de les arroser, parce que tes sols, ils sont hydromorphes à la sortie de l'hiver. Et donc, en fait, tu dis, ah, faut que ça sèche. Et t'as peur de remettre de l'eau, en fait. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas qu'ils se dessèchent trop parce qu'après ils deviennent tout durs. En fait, il faut les maintenir. La réhumectation est compliquée. En fait. Voilà, et la réhumectation est compliquée. Et dès qu'ils sont secs, les racines ne peuvent pas descendre. Et donc, comme ils sont hydromorphes, tu te dis qu'il faut à tout prix qu'ils se réoxygènent en séchant. Alors en fait, c'est pas la bonne solution. Ils vont se réchauffer de toute façon, même peut-être un peu lentement, et ils vont se réoxygéner. Mais le truc, c'est que très vite, si ça sèche, il n'y a plus rien qui pousse. Donc en fait, il faut maintenir l'humidité. Et donc, il faut arroser les hydromorphies. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, c'est une question de dosage, évidemment. Et ma foi, l'eau, c'est vraiment c'est à la fois ce qui tasse les sols, mais c'est ce qui permet aux plantes de s'enraciner dedans. Parce que dès qu'ils sont compactés et durs, là, il n'y a plus rien qui pousse. D'ailleurs, moi, je rebondis là-dessus parce que c'est ce que j'observe chez nous, donc en climat plus continentaux, avec des hivers qui sont des hivers froids et mouillés, et puis des étés qui sont des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds. C'est que la variation d'irrigation l'été est mauvaise. Il faut avoir quelque chose qui permette une humidité constante. Et donc, ça demande d'être assez technique. Finalement, l'eau devient un des premiers intrants. Enfin, un des seuls, au final, hein, dans ces milieux-là très riches en humus. Parce que c'est l'eau qui va permettre de régler la machine de minéralisation. Et quand on est humecté, on a une résistance à la pénétration qui diminue. Donc, effectivement, ça fait cet effet enracinement plus important. Moi, je rebondirais peut-être aussi par rapport à de la culture plus industrielle, hein, par rapport à vos expériences. Sur ces fronts de compaction, etc. Qu'est-ce que vous observez ? De notion de porosité. C'est qu'au final, on peut un peu tout résumer, ou en tout cas prendre en compte tout particulièrement la notion de stabilité structurelle. C'est-à-dire que tant qu'on a un sol qui est en capacité de retenir de l'eau ou de l'air, eh bien, les racines pourront y aller, la vie pourra y aller, la matière organique pourra descendre avec les mouvements de la vie du sol. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, au niveau des systèmes en culture légumière de plein champ, système agriculture de conservation, c'est un copier-coller de l'agriculture de conservation pour les grandes cultures. Et donc il n'y a même pas de différence à faire. On est dans les mêmes cinétiques. On est exactement dans les mêmes cinétiques. Ok, super. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions qui ont émergé? On a une question de Jacques qui nous demande est-ce que pour lancer une activité sur une prairie avec 2 à 3 % de matière organique, on préconise un décompactage type grelinette avant l'ajout de BRF. D'accord. Ah oui, en plus c'est un besogneux. C'est un décompactage de type grelinette. Ok, donc est-ce qu'il faut faire un décompactage avec grelinette ou autre chose sur une prairie à 3 % de matière organique ? 2 à 3 %. Bah, moi je dirais déjà la question c'est comment est la prairie ? Si c'est une prairie qui est très poussante, ça veut dire qu'on est sur un potentiel de sol qui est important. Si on a une prairie qui, en fait, quand on dit une prairie très poussante, c'est une prairie où l'agriculteur qui était là avant l'a laissé s'exprimer. Hein, c'est-à-dire, c'est pas des exploitations très précoces tous les ans. C'est en tout cas une prairie qui a pu exprimer son potentiel végétal régulièrement pendant sa carrière. Normalement, elle a fait des racines de façon très importante. Et même s'il est à 2,5% de matière organique, vu que c'est des milieux qui ne sont pas perturbés, on devrait avoir normalement un milieu sain et donc qui suffirait de couvrir et de cultiver dans ce type de milieu. Après, je dirais, mettez un coup de bêche, quoi. Ne vous en tenez pas à bon compte. Vous mettez un coup de bêche, vous regardez. Si c'est extrêmement compact, extrêmement dur, ben vous pouvez sécuriser en mélangeant et en ne faisant pas juste une technique de bâchage et puis culture. C'est vraiment l'appréhension du milieu, finalement, c'est ce qu'a dit Xavier, c'est est-ce que mon sol a une bonne stabilité structurelle, est-ce qu'il est poreux, est-ce qu'il laisse passer l'oxygène et l'eau, et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de m'échiner, ou est-ce que je suis dans un milieu où ça va poser problème. Et dans ce cas-là, ben, je,
je peux limiter les risques en faisant des apports et en les mélangeant pour me créer un horizon. Voilà. Mais habituellement, la prairie est un milieu plutôt favorable au démarrage. Vas-y, je te laisse. La réponse à ta question, si on est sur une prairie, si on est sur une prairie un petit peu bancale où on n'est pas totalement sûr du potentiel de fertilité, des astuces, c'est de mettre la matière organique sur le sol très tôt en amont, genre 6 mois avant. Donc de mettre, c'est ce que tu avais fait ici, Jean-Marie, c'était de les mettre 6 mois avant, à l'automne, en septembre. Et pendant tout l'hiver, en fait, elle commence déjà à se dégrader. Et en l'espace de 6 mois, on a déjà une multiplication en fait de la population de vers de terre, puisque le taux de fécondité est quand même assez élevé. Et comme la matière est déjà dans un état de dégradation assez avancé par les micro-organismes, en fait, on se retrouve au printemps avec une matière qui est déjà en digestion. Et en fait, 6 mois, c'est déjà suffisant. Donc, si on veut faire une culture au printemps, mettre la matière organique en septembre, octobre, l'année précédente, ça permet déjà d'avoir une matière qui est en train de se dégrader et ça marche très bien généralement. Mais la mettre vraiment tôt, hein. Parce que si la matière, je fais exprès de le dire, parce que des fois on met la matière trop tard, donc on la fout en décembre, il fait froid, il y a de l'eau, elle ne bouge pas du tout, on arrive au printemps, ça a presque repris en masse autour de la matière, et c'est la galère. Donc c'est la mettre vraiment dans des phases de minéralisation, donc c'est septembre pour que ça puisse bosser. Par contre, si on a une prairie qui est très vivante, ou comme des sols déjà ici, comme de toute façon il y a déjà un potentiel de minéralisation énorme dans le sol, là, si on met le BRF au dernier moment, c'est pas un problème, quoi. Il va aller chercher la nourriture dans le sol. Il n'a pas besoin que le BRF soit en décomposition aussitôt. Il y a déjà du potentiel dans le sol. Et d'autant plus que si le BRF est mis qu'en surface, ça fera zéro fin d'azote. Parce que la fin d'azote ne se fait que si on mélange. Après, il y a la notion dans la question, il y a est-ce qu'il faut passer la grelinette ou la fissuration pour des agriculteurs plus gros. En gros, le point de repère, c'est qu'à la grelinette ou au fissurateur, si c'est très facile à faire, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est pas mal ça. À condition d'avoir un sol normalement humide, hein, parce qu'effectivement, si c'est sec, ça peut être difficile, mais sinon, dans un sol normalement humide, c'est très facile à faire, je laisse tomber. Et après, il y a peut-être une nuance à apporter aussi sur le type de culture qu'on va faire. Si on veut faire des légumes racines par exemple, l'astuce, il faut le rappeler quand même, c'est de maintenir les sols le plus humide possible pour que le tubercule, les racines puissent se former le mieux possible. Et malgré tout, si on veut être sûr et certain d'assurer le coup, notamment sur de la carotte par exemple, parce qu'on n'est pas forcément sûr et certain de sa capacité d'irrigation, un décompactage sur ce type de légumes, ça semble une évidence. Quoi. On va essayer de faire des carottes droites. Ou strip-till. Ou strip-till sur la ligne, ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais la carotte, ça reste encore un des légumes qui est un peu compliqué à faire dans des stratégies de sol vivant, parce qu'on cherche des formes extrêmement droites. Et donc, le seul astuce, c'est d'irriguer beaucoup pour que le sol reste bien humide. Et juste assez intéressant sur de la pomme de terre. Parce que bon, est-ce que ça sert à quelque chose de venir les planter en enfouissant, ou au final, je peux les mettre en surface, je paille et je laisse venir? C'est une question. Je fais exprès, c'est pour. J'aime bien, j'anime. Moi. En fait, les deux marches, on arrive très bien les pommes de terre sous des gros mulches de matière organique. Le problème, c'est le tarissement. Et donc, il faut veiller, notamment dès qu'on commence à obtenir des très gros rendements. Moi, j'ai vu des collègues faire de la monoculture de pommes de terre plusieurs années de suite sous des très gros couverts de matière organique. Là, on mettait tellement de matière organique que les sols avaient un niveau de fertilité énorme, donc on avait des rendements qui devenaient vraiment importants. Ouais. Et les pommes de terre sortaient des mulches, donc ça verdissait. Quoi. Mm-hmm. Et donc, effectivement, on arrive à plus avoir vraiment besoin de travailler le sol. Sur la pomme de terre, le défi, c'est quand même, notamment quand on met des gros paillages, c'est qu'on a des variations un peu bizarres des réseaux trophiques du sol. Et suivant le variétal, on a quand même pas mal encore aujourd'hui de pertes à cause d'attaques diverses, de champignons, de trucs. Il y a vraiment un travail à faire sur le choix variétal, en fait, dans les stratégies de pommes de terre sous mulch. Il y a des pommes de terre qui se font dévorer et d'autres qui se font porter. Super.